amis, le colis est enfin arrivé. Ceux qui connaissent, vous avez reconnu, je pense que c'est le colis. Moi, je ne le connaissais pas. C'est la première fois de ma vie que je commande ça. Donc, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ça fait des années que je dois changer cet ordi, que le câble de cet ordi, il est toujours défaillant. C'est pour ça que ça fait littéralement des mois et des mois que quand j'ai mon ordi, je ne peux pas changer de position parce qu'il y a un faux contact. Et j'ai trouvé le câble nulle part. J'ai eu la flemme de le commander sur Internet. Donc là, je me suis dit, ça y est, ça fait plus de 3 ans, voire même 4 ans que j'ai cet ordi. Il fallait que je passe à l'étape supérieure. Je vous ai également parlé en story sur Insta que j'avais commandé un truc un peu fou que j'ai jamais commandé de ma vie. Je parlais pas de ça. Il y a encore un autre colis qui doit arriver. Je vous montrerai ça par la suite. Mais là, voilà, ça fait plus d'un an et demi, voire même 2 ans que j'en parle sur cette chaîne YouTube. Et il est là. Putain, c'est quand même trop stylé. Voilà, le Vaz a enfin acheté son putain de MacBook Pro, je vous le jure. Ça fait, mais littéralement, ça va faire 2 ans que je dois l'acheter, que je saoule tous mes potes, toute la mif, genre pour acheter un putain de MacBook Pro. Et en fait, je repoussais toujours l'échéance parce que voilà, 1500 balles, ça fait quand même mal au cul, même si c'est l'outil de travail. Parce que je vous jure, là, cet ordi, il est complètement éclaté, il est moche, il rame, ça m'a fait des galères de fou. Donc voilà. Le nouveau petit bébé, là, j'ai vachement hésité en prendre du 16 pouces et du 13 pouces parce que l'ancien ordi, c'était un grand écran. Mais je me suis dit, c'est quand même pour voyager, je bouge beaucoup dans le train, etc. Donc, j'ai opté pour le 13 pouces. C'est celui avec la puce M1, donc le tout dernier M1 13 pouces gris sidéral. Normalement, ça devrait être plutôt sympa. Et putain, en vrai, je suis refait du fou. J'ai l'impression que c'est Noël, sauf que c'est moi-même qui ai dépensé ma thune. Donc voilà, petit cadeau à moi-même et ça fait plaisir. C'est trop stylé en vrai. Génial. Voilà. Le petit bijou, là où tous les nouveaux projets vont voir le jour. Je sais même pas comment on ouvre cette commande. Oh, je sens que je vais tellement... Ah, mais c'est dans ce sens, je suis trop con. Voilà, il est là, en chair et en os. Ah, je l'ai déjà. Je suis vraiment con, putain. À tout. Oh, l'équipe, je suis refait, je viens de claquer un nouveau PR sur le 1 km de nage crawl complet. Vous êtes prêts? La semaine dernière, j'étais passé... Non, mardi, c'est parce que la deuxième fois que je nage cette semaine, vu que j'essaie d'avoir une meilleure cadence. Mardi, j'ai fait 1 km en, je crois que c'était 28 minutes 40, si je ne me trompe pas. Et là, vous êtes prêts? Regardez ça l'équipe, 26 minutes 33 pour le base sur 1 km. En plus, là, on commence à voir tout doucement le retour de Bazingra. Non, mais franchement, 26 minutes 33, je suis vraiment content. Je vous cache pas que sur la fin, c'était dur. J'ai commencé à tout donner. Ça a commencé à courbaturer au niveau des triceps, le dos également. Mais voilà, nage est fait, taf est fait. Ça fait que mardi, j'ai fait 1 km. Et après, j'avais juste refait 200 mètres. Et aujourd'hui, 1 km. Donc, pour cette semaine, première fois de ma vie que je cale 2,2 km de nage. Je commence à m'améliorer, je sens de mieux en mieux le mouvement dans l'eau, je me sens de plus en plus à l'aise. C'est encore un petit peu dur au niveau de la respiration. Et musculairement parlant, là, genre, je le sens vraiment dans les dorsaux, du coup l'insertion juste ici, les triceps également, et grosse congestion des pecs. Mais là, c'est le temps que mon corps s'habitue, que mon cerveau intègre également le schéma moteur, le pattern movement, comme on dit. Et voilà, ça fait super plaisir. Malheureusement, là, comme... c'était un peu tard, j'étais solo, il n'y avait personne pour me filmer, j'ai juste fait ça dans mon coin, c'était même pas prévu. Parce que j'avais un peu la flemme, mais je me suis dit, comment tu peux prétendre à devenir bon ou à inspirer des gens si toi-même t'as la flemme? Alors du coup là, c'est même pas une question de motivation, parce que moi, je vous le cache pas, aujourd'hui j'étais pas motivé, j'ai pas toujours la motivation, mais quand faut faire le taf, faut faire le taf. Donc les gars, pas le choix, on est tous dans la même galère. J'en reçois souvent des messages, comment tu vas se motiver, comment tu vas se motiver. Et un stade, c'est plus de la motivation, c'est juste, faut le faire les gars, c'est de la rigueur, on y va et on kill ça. Donc voilà, là je vais rentrer tranquillement, beaucoup de boulot qui m'attend.
1 km, 26 minutes 33, je suis très content. Et ça promet pour la suite. Ah! Oh putain! Oh! Regardez ça, les gars! Giant, putain, je devais être un vrai triathlète. Alors, à quelle heure j'aurais imaginé dans ma vie avoir une carte de vélo dans ma voiture? Putain, oh, mais encore pire, encore pire. Genre, à quelle heure j'aurais imaginé avoir une carte de vélo après être sorti d'une séance de piscine, de natation? Ça devient n'importe quoi, les gars. Ça devient n'importe quoi. Mais c'est ça qu'on aime. Faut devenir. Là, maintenant, faut devenir fort. Back to Bazingra pour être fort. Massif, solide pour faire peur. Se mettre à la lutte de nouveau si j'arrive à trouver le temps. Et au triathlon. Ça serait magnifique. Faut juste ajouter un huitième jour. Parce qu'il y a déjà 7 jours dans la semaine. Faut juste ajouter un huitième jour. To the rage of today's youth and bottle it. Crush the glass with my bare hands and swallow it. And spit it back in the faces of you racists and hypocrites who think the same shit but don't say shit. You Liberace's, Versace's and you Nazis. Watch me cause you thinking you got me in this hot seat. You motherfuckers wanna judge me cause you're not me. You never stop me, I'm top speed and you pop me. I came to save these new generations of babies. For parents who failed to raise them cause they're lazy. To grow to praise me and making them go crazy. That's how I got this whole nation to embrace me. And you feel gazy if you think I'ma admit wrong. I quit any hypocritic critic I'm sick on. And this song is for any kid who gets picked on. A sick song to retaliate to when this kind of music, use it and you get amped to do shit. Whenever you hear some shit and you can't refuse it. It's just some shit for these kids to trash their rules with. Just refuse whenever they ask to do shit. The type of shit that you don't have to ask who produced it. You just know that's the new shit. The type of shit that causes mass confusion. The drastic movement of people acting stupid is fight music. Yeah, y'all, let's bring it. Niggas is so gangster, niggas is thugs. Niggas will spend their whole life peddling drugs, slanging dope in hopes of one day being able to own their own label and give the game up. Some niggas came up, some just didn't. It's just the way it is. If it ain't meant, it just isn't. Some niggas will get money and pay niggas to back up so they can act. Ouais, up. Petite update du physique, fin de séance. Après avoir mangé comme un gros sac, parce que c'est le week-end, et c'est bientôt les vacances. On va faire le dos, vu que j'ai fait une séance dos. Le retour de Bazingra, très très soon les gars.
Hey hey. Bon les amis, 22h30, j'étais en train de préparer la valise et voilà, le charbon ne s'arrête pas. Comme je pars une semaine, c'est-à-dire pendant une semaine, je vais pas pouvoir, enfin je peux déléguer mais c'est un petit peu compliqué. Je préfère m'en occuper avant de partir, toutes les commandes qu'il y a eu aujourd'hui et hier pour faire ça au plus vite parce que sinon ça va être galère. Donc voilà, là je suis de retour au Bass Gym pour chercher toutes les commandes pour pouvoir les faire encore ce soir juste après que j'ai terminé la valise. Sinon, comme dit, ça va être une galère et j'ai envie de faire ça au plus vite, pour pas vous faire attendre pour que voilà, vous ayez la meilleure expérience possible vis-à-vis de ma marque. Et donc voilà, là il est exactement 22h20, je suis KO, on est samedi, mais pas le choix, faute à fait. Donc là, je vais récupérer toutes les commandes et une fois que je serai à la maison, je vais terminer, je vais mettre sur l'ordi, je vais imprimer tous les tickets, faire toutes les commandes, préparer tout ça. Comme ça, je peux les déléguer à quelqu'un pour qu'il aille les poster semaine prochaine quand je serai à Nice. Il n'y a pas d'heure pour bosser, les gars. Quand vous êtes solo, que vous avez votre entreprise, entre guillemets, on va dire ça, votre société, c'est tous les jours le rush, la course et le stress. Voilà, surtout en ce moment, le stress chez moi, il est à ce niveau. Je ne sais pas si ça se voit forcément en vidéo. Ça se voit peut-être sur Insta, mais c'est dur. Dur. Peut-être je vous en parlerai dans une vidéo ou quoi, mais voilà, énormément de choses à gérer. Mais bon, ce n'est pas le thème de cette vidéo. Là, le thème, c'est les vacances, le départ en vacances, la playa. Donc, je vous recap juste après pour la fin. Peace. Équipe, c'est l'heure. On se retrouve le lendemain matin à l'aéroport pour le départ à Nice. Donc là, il est 4h30, réveil un petit peu compliqué, mais c'est pour la bonne cause. Donc là, départ 5 jours. 5 jours et demi dans le sud à Nice, à faire du bien. C'est la première fois depuis un an que je suis pas parti en vacances, que j'ai pas profité, donc ça va vraiment être une petite semaine pour souffler. Je vais essayer de vous filmer un petit vlog comme d'habitude, vous montrer le Airbnb, ce que je vais faire, si j'arrive à caler une petite séance ou peu importe. Bah. Comme dit, ce vlog il était un petit peu saccadé, j'ai filmé un peu ce que je pouvais. En ce moment, comme dit, c'est la galère, il y a énormément de taf surtout, donc j'essaye de vous filmer ce que je peux quand je le peux. Et voilà, donc en tout cas, merci pour la force, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et on se retrouve mercredi pour le premier vlog de Nice. Ça va être stylé, donc soyez au rendez-vous. Voilà l'équipe, merci pour la force. Peace.